Malo? C'est vers la route de Bâle, ça. Bon, bah, j'arrive. Encore un. Faut que j'y aille. Boulot. Bonjour patron. Ah la petite. J'ai trop eu hier soir. Joyeux anniversaire. 31, c'est ça? Ouais. Bah, joyeux anniversaire. Merci. Alors? Bah, vu ce qu'il reste de sa tête, c'est le même calibre. Merci. Bonjour Malo. Ça va? Vous fait aller. Toujours pareil. À toi l'honneur. Faudra lui conseiller la chaux la prochaine fois. Ça nous épargnera les odeurs. Maxine Baker, 49 ans, Audorine. C'est au moins à 40 km d'ici, ça, non? Vers le lac de Crute. Tu te renseignes? Il est mort depuis combien de temps? Je dirais moins de 12 heures. Je ne précise pas les circonstances du décès. Hein. Il se débarrasse de ses victimes aussi vite qu'il les tue. Est-ce qu'il trouve son plaisir? Ah bon? Aucune des six victimes ne présente de sévices corporels. Non? La torture peut être psychologique. C'est sûr qu'il est particulier, votre gars. Ouais. Est-ce que vous y croyez, vous, à l'hypothèse du tueur homosexuel? Pourquoi? Il s'en prend qu'à des gros durs. Alors ça pourrait être un refoulé, hein? Même pas les payer, hein? Bah, j'ai pas dit ça. C'est ce que les gens pensent, quoi. Les gens ont peur. Alors ils cherchent des réponses qui leur semblent évidentes. C'était le procureur? Ouais. Vous leur appeliez, elle a pas réussi à vous joindre. Pas trop casse-couille, la Prague? Elle fait le boulot, elle stresse. Le secret, il est dans la bière. Le ragoût, il mijote dans la bière, tu vois. Pourquoi il accélère? Le tueur? Les meurtres sont de plus en plus rapprochés. T'as des fantasmes, toi? Quoi, à partager? La réalité est-elle à la hauteur? Non. C'est la bière, là, qui vous fait parler comme ça? Peut-être. Ça explique pas l'accélération. Non, t'as raison. Ce type se soulage pas, il explose. Il nous faut une piste. On sait même pas comment il les repère. Aucune des victimes ne se connaissait. Elles habitaient toutes dans la région, mais dans des villes différentes. Ils ne les abandonnent jamais au même endroit. Mais toujours dans des lieux similaires. En pleine nature, loin de tout. Il connaît parfaitement la région. Il a toujours vécu ici. Trois des cinq premières victimes avaient un casier. Violence, trouble à l'ordre public, cambriolage. Le dernier s'est fait arrêter dans un barrage armé pour bagarre il n'y a pas deux semaines. Vous pensez que c'est un des nôtres? Pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui se prend pour une sorte de justicier. Bon,
On va aller faire un petit tour à Gérard, oui. Je connaissais pas cette route. Personne ne passe jamais par là. Hein. Pas étonnant. Attention! Espèce de malade! Complètement taré! Oh, vous êtes où? Police! Là! Ça vous le véhicule? Y'a un problème? Mais on a failli vous emboutir, abruti! Vous regardiez pas la route, hein? Elle était en train de vous. Ouais, tu te fous de notre gueule? Et toi, tu me tutoies? On se connaît? Vous avez pas remarqué qu'on était de la police? Je suis pas aveugle, hein, mec. Et outrage à l'agent, ça dit quelque chose, connard? Va te faire jouir, toi, salope, vas-y. Oh, vous avez bu, vous, hein? Eh! Hey. Eh, je vous reconnais! Posez cette pelle, s'il vous plaît. Vous êtes passé à la télé, vous. Vous êtes les deux grosses merdes qui enquêtaient sur le tueur, c'est ça, hein? Tout, 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 tout. Maintenant, tu jettes cette pelle. Eh, ok. Tout de suite. Ça va, je rigole. Je rigole. Et maintenant, tu vas me suivre. Bah, c'est bon, je peux finir mon trou d'abord. Quoi? Bah ouais, mon trou avec ma pelle. Tu comptais enterrer quoi, là, au juste? Bobby. Bobby? C'est un chien! Évidemment que c'est un chien, vous croyez quoi que c'était votre tueur? Et vous lui avez fait quoi? Bah il voulait pas se taire! C'est facile de s'en prendre un chien, ça te fait bander, elles sont dures là! Calme-toi! Hein? Calme-toi! Je t'emmerde! Lève-toi, connard! Oh, debout! Je sais. Vous avez vu le chien? C'est un accident. C'est un accident. C'est un cauchemar. Chut. Calme-toi, je suis là. Calme-toi. Regarde-moi. Je suis là. Je suis là. Je vais finir en prison. Mais non. Bah, vous savez bien que si. Y a pas de témoin. Et on va dire quoi? Qu'il nous a agressé avec une pelle, un contre deux? On a essayé de le maîtriser, il s'est débattu. Puis il est mal tombé. Et mon pied dans sa gueule, c'était avant ou après? Il y a une autre solution. Il y a nos empreintes partout. Quoi? Un de plus, un de moins. Vous déconnez. T'es trop jeune pour gâcher ta vie. J'ai une carabine du même calibre. Oh, mais patron... Ferme-la maintenant! Il y a une couverture dans la voiture, tu la prends et tu m'aides à le transporter. Faudra enterrer le chien aussi. Il faudra déplacer la voiture, on peut pas la laisser là. C'est à moi de le faire. Tu trembles. Tu peux sortir ?
Je connaissais pas ici. C'est magnifique. Il doit y avoir du poisson là-dedans. Au moins, votre gars nous fait voyager. Ouais. Et vous tirez de ses gueules? Vous avez mangé un truc qui passe pas ou quoi? Ça doit être ça. Bonjour, madame la procureure. Non, ce coup-ci, ça s'est pas passé exactement comme d'habitude. J'en suis pas certain. Je pourrais vous en dire plus après l'avoir examiné au labo. Bien. Vu le calibre, il reste pas grand-chose de sa tête. Mais on dirait que la victime a reçu un gros coup derrière le crâne qui pourrait avoir occasionné la mort. D'accord. Elle ne comprend rien à ce que je raconte, elle veut une traduction de ta part. Bonjour, madame la procureure. Il semblerait que notre tueur commence à stresser. Oui, on va commencer par aller interroger le voisinage. C'est cela, madame la procureure. Bonne journée. Quoi? Tu as ma photo? Vous avez eu des problèmes avec lui? C'était un connard. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais il me mettait tout le temps. Et un jour, il a insulté le petit juste parce qu'il avait envoyé son ballon dans son putain de 4x4. Bon, revenons à ce qui s'est passé hier. Vers quelle heure vous l'avez vu partir? Environ midi. Ouais, il y avait mon feuilleton à la télé. Vous avez rien à remarquer d'anormal? Ouais, il était avec son pote, Eddie. Il est encore plus con, celui-là. Eddie? Ouais. Ils ont chargé un gros paquet et une pelle dans le camion, puis ils sont partis. Il dit comment? Noël, comme le père. Il est dangereux, hein, lui. Ah. Le mec, depuis qu'il est sorti de prison, il arrête pas de passer ses soirées ici, il picole, il gueule. D'ailleurs, ça énerve leur putain de clébard qui passe toute la nuit à aboyer. D'ailleurs, il est où le chien? Vous l'avez trouvé? Les collègues qui s'en occupent, c'est la procédure. Vous auriez l'adresse de ce monsieur Noël? Combien tu payes? Je déconne. Il a un mobil-home à la sortie de la ville. Le chemin en terre qui continue après le centre équestre. Il est déçu. Merci. De rien. Et dis Noël! Bon, on va l'attendre. Ça va, vous? Ouais. Je vous ai même pas dit merci. Ben merci. Si ça tourne mal, j'endosserai tout. Évidemment. Comment vous faites pour rester aussi calme? Je pense à notre tueur. J'imagine la tronche qu'il doit faire. Jetez vos jambes! Oh putain de flingue! On se calme. La ferme! Ça va, ça va. Magne! Rien d'autre? On reste calme. J'hésiterai pas, je vous préviens. Maintenant, vous allez sortir tous les deux.
doucement et vous mettre à genoux. La pétasse d'abord. Ok, on se calme. Ouais. Sors de là. Viens par là, toi. Allez, arrive. Au sol. Au sol, les deux, là. On est de la police. Je sais qui vous êtes. J'étais là hier. Quand je vous ai vu arriver, je me suis planqué. Vu que je suis en conditionnel. Vous avez buté Daniel. Vous l'avez cramé. Des cons, des tueurs en série, j'aurais jamais cru. C'était un accident. Ferme la sale pute. C'était mon pote. Eddie, calme-toi, s'il te plaît. Ta gueule, toi aussi. Toto, reste là, ne te touche pas. Je vais vous crever. Je vais aller avec ton cadavre après. T'attends. T'attends, salope. Hein. C'est donc lui l'élément perturbateur. Témoin du meurtre de son ami, il parvient à s'enfuir. Du fait de sa conditionnelle, il prévient pas la police. Et le tueur le retrouve. Apparemment. Mais le gars est coriace, armé. Peut-être même qu'à un moment il est le dessus. Malheureusement, il voit son arme se retourner contre lui. Et après, le tueur lui assène le traitement habituel. Plausible. Absolument. Vous le dites, hein, si on vous emmerde. Non, non, pardon, je réfléchissais à tout ça. Oui. Bon, la seule chose qu'on a, c'est le lieu du crime. Alors, vous me passez tout au peigne fin, hein, vous analysez chaque brin d'herbe s'il le faut, parce que le dingue, il a forcément oublié quelque chose. Ah, pour info. Non. À la prochaine victime, on dégage tous. Et vous ? Excusez-moi, madame la procureure. J'ai une immatriculation. Éco Québec 484, Roméo Alpha. Vite! Oh, qu'est-ce que tu nous fais là? C'était lui, j'en suis sûre. Mais qui? Le tueur! Il était là hier au lac, je l'ai vu. Mais ça se trouve, c'est un pauvre type qui se fait chier dans sa vie, qu'est-ce que tu racontes? Il y a au moins 80 km entre ici et le lac. Voilà. Georges Keller. De Villers. Comme la toute première victime. On dirait pour le moment. Police! Georges! Police! Si vous êtes là, montrez vos mains. Soyez raisonnable, Georges. On peut encore négocier. Georges ?
Partez! Pose cette arme, Georges. Allez, pose cette arme. Ça se fait pas de venir comme ça chez moi. On t'a dit pose cette arme. Je les ai pas tués, vous savez. Les deux derniers, c'est pas moi. Et les six premiers? On m'a copié. Allez, Georges, pose gentiment cette arme, va. Ça se fait pas! Madame la procureure, Malo à l'appareil. On l'a eu. Il est mort. Suicide. Georges Keller, un paysan de Villers-sur-Thur. Il a avoué tous les crimes, les 8, et il s'est tué. Ouais. Un petit délifleur, je vous raconterai. Je tenais à vous informer la première. Merci, madame la procureure. À plus tard. Spip!